C'est mon anniversaire, et ça fait plusieurs mois que j'ai pas eu une affaire. Je bois du bourbon dégueulasse dans mon bain. Je me présente, Philip Jones, détective privé en manque d'enquête. Et comme tous les ans, je me retrouve seul le jour de mon anniversaire. J'ai reçu une lettre ce matin qui n'était pas une facture ou une mise en demeure. Une enveloppe sans timbre, sans adresse, apparemment juste déposée dans ma boîte aux lettres. Message étrange dedans, rendez-vous à la Vierge et l'Enfant, aujourd'hui. Je n'ai pas tout de suite compris, mais petit à petit, je me suis rappelé cette statue où mon grand-père m'amenait souvent. Je n'ai jamais vraiment su pourquoi. Ça m'étonne d'autant plus que mon grand-père est mort il y a maintenant plusieurs années. N'ayant rien d'autre à faire, je décide de m'y rendre après mon bain. J'attends un peu, je n'ai aucune idée qui ou quoi j'attends. Et au bout d'une demi-heure, je pense partir. Je jette un dernier coup d'œil à la statue. Sans vraiment savoir pourquoi, je m'approche pour voir si... Oui, il y a quelque chose là. Une petite boîte, une clé à l'intérieur. Je mets la boîte dans ma poche et je rentre chez moi. Sur la route, on me frappe à la tête et tout devient noir. C'est mon téléphone qui me réveille quelques heures après, par terre dans ma salle de bain. Allô ? Monsieur Jones ? Ça dépend qui vous êtes. Je suis celui qui veut votre boîte. D'accord. Pourquoi ? Sachez juste que je ferai n'importe quoi pour cette boîte, alors si vous ne voulez pas me la donner, les choses risquent de se compliquer. Attendez, moi je viens de me réveiller par terre dans ma salle de bain. Je l'ai pas votre boîte. D'accord, je comprends, vous avez fait votre choix. Nous nous reverrons bientôt. Non mais attendez, je l'ai pas, on m'a assommé et puis... Allô ? Allô ? Putain, j'aurais dû rester dans mon bain. Il y a un mot laissé dans mon chapeau. Nous avons votre boîte. Trouvez 150 000 dollars pour la récupérer. Les choses commencent à devenir vraiment bizarres. J'ai rien demandé à personne. Et tout à coup... Tout à coup, une personne veut que je lui trouve une boîte, une autre veut que je lui donne, et une autre me demande 150 000 dollars pour me la rendre. J'aime autant vous dire que j'ai passé de meilleurs anniversaires. Putain de merde.